Salut à tous et à toutes, c'est Zeta135, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va vraiment très très bien, et donc je suis sur le jeu War Thunder, toujours hein, et en F8 F1B. Yeah, bitches. Donc voilà, alors, bon, déjà faut savoir qu'on va baisser le moteur à cette puissance là. Bon, faut pas, ah non mais là on peut en fait, on peut se permettre de le faire monter, donc ça va m'être utile pour prendre ma vitesse de départ. Ce moteur, regardez cette puissance, ce moteur. Oh là 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 là. Regardez, je suis à 15% et il continue de monter. Bon, il est très très léger comme avion, à savoir, hein, il commence à être dans une gamme d'avions qui était vraiment très très léger. Donc là, ça va me permettre de monter facilement en haute altitude. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, allez, hop. A savoir comment il est pas fou là, il est pratiquement stock, j'ai pas grand chose dessus, mais c'est déjà un avion que je trouve génial. Voilà, là on va faire rebaisser le moteur, hein, donc, parce que là je force trop autrement. Donc voilà, vous mettez ce moteur à cette puissance là, vous allez voir que c'est quand même pas très désagréable. Hein. Voilà, on va mettre le moteur à cette puissance là. C'est propre. Et ça le maintient. Oh, putain, ce soleil est bien sûr toujours contre nous, mais ça c'est normal, c'est contre les Japonais. On aura toujours ce problème là. Zashi, ça fait je sais pas combien de fois que je le vois en partie, ce gars, mais bon. Ouais, bon bah, on joue tranquillement, hein, les amis, donc vous voyez. Tout à fait d'accord. Donc là, c'est les premières vagues. Il y a une première vague d'attaque qui a été faite, donc c'est les... En général, c'est les avions jets qui font cette attaque-là. Et nous on est un peu le genre waouh. Et nous on est la deuxième vague, donc les avions hélices font la, on va dire ouais, la deuxième vague quoi, et c'est super bien. Alors à savoir que ces avions, les R2Y2, sont des bombardiers à l'origine, mais voilà quoi, on en reparlera de l'idée qui bombarde. Hein. Lui il est vraiment dans l'idée de pigeonner mon pote. Mais, ah non, plus maintenant. Voilà. Bon, désolé, j'ai fait vraiment là, j'ai forcé, j'ai vraiment mis trop de balles. On va reprendre un max d'altitude tant qu'on le peut. Commencez le combat, vite ! On baisse le moteur maintenant. On va remettre le taux de montée comme celui-là. Donc vous voyez, les amis, donc déjà un kill pour moi. Hein. Donc vous voyez qu'à quel point cet avion est vraiment bon. J'ai vachement utilisé de munitions, mais c'est parce que je suis pas habitué à combattre un jet. Et donc avec un jet à canon, j'en ai très peu, j'ai à part les F9F. Donc on va dire que les balles vont à une vitesse plus lente, enfin les obus vont à une vitesse plus lente que les autres, j'ai pas trop l'habitude. Ce qui fait que j'ai fait de la merde. Voilà, c'était mon excuse. donc il reste encore énormément de joueurs en face, donc pour l'instant c'est eux qui gagnent, ce qui est triste. Hein. Mais bon, quand on voit des jets qui sont à ras du sol,
Ah, le F2A, je vais aller l'aider. Moi, je vais y aller. Merde, notre B29 est mort. Il était où, ce B29? Donc, vous voyez quand même, hein, le moteur à 60%, la vitesse que vous déployez quand même avec. C'est un avion qui est juste énorme. A savoir que c'est aussi un avion d'après-guerre. Hein. C'est un avion de la guerre de Corée. Hein. Donc voilà, quand même, faut dire que c'est un avion qui est fait pour combattre des jets. Donc on ressent sa puissance par rapport aux autres. Oh putain, lui, je vais lui tomber dessus, je vais me faire un plaise. Supprimez-les, mon sang. Ah, ça fait zizir, hein, de voir ça. Voilà, donc là faut se dire que normalement je suis tout seul. Donc là moi hein, maintenant j'ai plus de pitié avec ça. Avant j'en avais. Maintenant c'est un peu mort. Voilà. Maintenant on n'engage pas de dogfight, on va repartir à fond. On laisse le moteur rebaisser un peu en puissance. Faut que tu refroidisses ce moteur là, vite. Dépêche-toi. Faut avoir besoin de toi le moteur là. Faut surtout pas que tu me lâches. Wow, 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 j'avais pas vu ça. Oh putain, merde. Non. Oui. Je te prends face à face, toi. Voilà. Bon, mon avion est un peu mort, mais... Ah, d'accord, ok. Ah, ok, je suis le meilleur de ma team, en fait. Alors, à moi tout seul, j'ai fait autant de kills que tout le reste de ma team. Bravo, hein, franchement, c'est là quand même qu'on voit la puissance du F8F. Hein. Donc, voilà. Bon mais ce sera à peu près tout pour cette vidéo hein. Donc elle a vraiment été très très courte, mais j'ai pas énormément de temps pour moi. Donc c'est une petite vidéo histoire de vous faire plaisir, vous montrer quand même que je suis encore là, vu que là avec les cours j'ai vraiment très très peu de temps. Et j'ai reçu le jeu Bussage hein, donc grâce à, pas grâce à, enfin si, grâce à vous j'ai eu le jeu Bussage. Donc voilà, ce qui m'a permis quand même de faire ce qui me permettra de faire quand même une vidéo de plus par semaine. D'accord, sur ce jeu là, où je ferai soit les niveaux en téléchargeant les objets des autres, parce que moi je suis vraiment trop mauvais. Hein, donc en téléchargeant les véhicules de certains joueurs. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer si vous avez ce jeu et que vous savez en fabriquer. Et donc voilà. Et puis moi je vous dis ciao ciao à tous, merci d'avoir regardé. Et puis adieu Spitfire, hein, on sent bien ta mort. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde.